Voilà, bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, Nabilay Camara, depuis Bruxelles, cher compatriote guinéen. Bon voilà, comme je l'annonçais tout à l'heure sur mon profil Facebook, en fait, le thème des formations. Alors il est question, sur le premier point, de Foninike Mangue, ce prisonnier politique de Alpha Condé. Il est malade, c'est même hospitalisé. Je vais parler donc de lui. Ensuite, sur le deuxième point, je parlerai de l'ambassadeur, disons, des États-Unis en Guinée, qui défie le régime dictatorial de Alpha Condé. Et le troisième point, enfin, je parlerai toujours de Alpha Condé, cette fois-ci Alpha Condé qui tente de se retirer, et disons, des institutions internationales, en fait, je dirais, trop gênantes, ou, selon le pouvoir, qui n'ont pas, en fait, des institutions qui n'ont pas de stratégie, effectivement, pour la Guinée. N'est-ce pas? Alors, très bien, stratégie, disons, de développement, disons, pour la Guinée. Très bien, alors ce sont donc ces trois éléments, chers compatriotes guinéens. Alors, bon, voilà, les détails maintenant. Alors, le premier point, j'ai dit Foninike Mangue. Voilà, Foninike Mangue, alors, il n'est pas le seul actuellement en prison, comme prisonnier politique, otage politique de Alpha Condé, ils sont nombreux. Alors, il y a Foninike Mangue, bien sûr, il y a Ismaël Condé, que nous connaissons, n'est-ce pas? Alors, tant d'autres hein, qui sont là, plus de 200 prisonniers politiques à Conakry comme à Cancan, à Soroconi. Alors, ils sont là, n'est-ce pas, chers compatriotes guinéens? Alors, nous devons exiger leur libération. C'est vrai, exiger leur libération. Et surtout pour ce cas proprement dit de Foninike Mangue, parce que Foninike Mangue, maintenant, il est, en fait, il a été évacué, vous le savez, très récemment, donc à l'hôpital, parce qu'il est malade. Non? Nous avons tous vu les images de Foninike Mangue, n'est-ce pas, dans une ambulance. Alors, voilà. Alors, il est malade. Alors, je vais parler de lui, c'est vrai, parce que je me dis, la logique, on dit souvent en philosophie, la logique, même si elle est, en fait, elle est tricheuse, alors, elle se respecte. Et comme disait également toujours en philosophie, Socrate, ce grand philosophe grec, il le disait quand il a été, en fait, emprisonné par le pouvoir grec, disons, à l'époque, en ce temps. Et on l'accusait, les chefs, ou plutôt les charges retenues contre lui, contre Socrate, le philosophe. Ce vieux philosophe, on disait qu'il rebellait la jeunesse contre le régime, parce que sa façon de donner des cours philosophiques, c'était en pleine heure dans les rues, n'est-ce pas? Il donnait ses philosophies, c'était de la philosophie, une philosophie que, en fait, il n'imposait pas, Socrate, mais à partir des discussions, bon voilà, les idées naissaient. Alors, à cause de ça, il a été accusé et emprisonné à mort, n'est-ce pas? Alors, il était accusé à mort, tellement qu'il est important, bien sûr, à un moment donné. Alors, il était question de le libérer, n'est-ce pas? Entre guillemets, de le gracier. Qu'a-t-il dit, Socrate? Il dit non, que la loi, même si elle est mauvaise, il faut la respecter. Qu'il ne sort pas de la prison. Il est resté en prison. Il a pris, en fait, du poison appelé ségus, en fait, voilà. Et il est mort là. Socrate, que même si la loi, même si elle est mauvaise, il faut la respecter. Alors moi, je dis là que la logique, même si elle est tricheuse, nous la respectons, elle se respecte, cette logique. Alors, ça veut dire quoi? Tout récemment, vous avez remarqué, certains prisonniers politiques ont été libérés par le dictateur Alpha Condé, le sanguinaire Alpha Condé. Alors, il est question de Ousmane Gawal Diallo, de Sélou Baldé, de Abdoulaye Ba, de Chérif, disons, Ba, tous, en fait, des personnalités, des cadres de l'UFDG, du premier parti de l'opposition guinéenne. Ils ont été libérés avec l'argumentation que, bon, écoutez, libérés provisoirement, je dis bien entre guillemets, parce que moi, je vous dis toujours provisoirement, c'est-à-dire, c'est définitif, ça c'est clair. Le pouvoir cherchait en fait des moyens, comment se débarrasser, parce que le pouvoir s'est mis dans certaines situations en prenant ces gens-là, et finalement il se demande, alors écoutez, c'est devenu une sorte de bagage, non? Alors il faut les libérer. Et comment les libérer? Il fallait trouver quelques astuces, quelques moyens pour le faire. Et bien voilà, liberté provisoire, n'est-ce pas? Mais c'est purement définitif, ça c'est clair. Alors moi je me dis, bon, ils ont été libérés provisoirement, alors les raisons, alors voilà qu'ils sont malades. N'est-ce pas? Ils sont malades, ils doivent aller se traiter à la maison. Alors, très bien. Alors, moi, la logique doit se respecter. Nous avons Foninike Mangue, ce n'est pas la première fois que cet homme-là a été, disons, évacué vers l'hôpital, plusieurs fois déjà. Je crois bien, si la mémoire est bonne, la troisième fois qu'il est évacué donc à l'hôpital. N'est-ce pas? Il est malade, c'est un prisonnier politique. D'ailleurs, il est condamné, il a été condamné tout récemment à 3 ans de prison ferme. Alors, mais écoutez, s'il est malade, n'est-ce pas? Il est malade, n'est-ce pas? Alors, on te dit, mais écoutez, Ousmane Gawal Diallo, hein, Sélou Baldé,
Abdoulaye Ba, Chérif Ba, n'est-ce pas libéré pour des raisons de maladie, libéré provisoirement? On se demande quelle différence y a-t-il entre ces quatre prisonniers libérés et provisoirement et avec des raisons de maladie? Pour quelles raisons sont-ils libres? Et ou, quelle différence y a-t-il entre ces prisonniers, ces quatre, et Fonike Mangue? N'est-ce pas? Alors là, on se pose la question, pour quelle raison? Il est malade aussi, il est malade. Alors, il est à l'hôpital. Alors, pour quelle raison on ne le libère pas, lui aussi, provisoirement, le temps de se soigner à la maison? N'est-ce pas? Pour quelle raison? Très bien. Alors là, c'est pourquoi je dis que nous devons exiger sa libération, exiger qu'il soit aussi libéré. Écoutez, que la logique, donc, soit respectée, cher Comodoguinien. Très bien. Alors, bon, pour le cas de Fonike Mangue, nous pouvons comprendre aussi que Fonike Mangue, écoutez, Alpha Condé, on a vu qu'Alpha Condé, il tente de donner une sorte de légitimité à son troisième mandat, n'est-ce pas, sa dictature. On ne reconnaît pas son pouvoir, ça c'est clair. Alors, c'est un pouvoir illégitime, Alpha Condé n'est qu'un dictateur. Alors, qu'est-ce qu'il fait finalement? C'est d'emprisonner ces gens-là et essayer de les libérer avec des conditions, n'est-ce pas? Que ces gens-là, par exemple, essayent de valider, de signer un certain document, document sur lesquels, alors il est par exemple écrit, alors écoutez, nous demandons excuse au président, au Alpha Condé, etc., etc. Alors, tant d'autres prisonniers libérés sont passés par là, ils ont accepté, ils ont en fait, écoutez, accepté ce que le dictateur veut, c'est-à-dire accepter de signer et dire, bon, écoutez, monsieur le président, pardonnez-nous, nous étions, en fait, nous n'étions pas sur la bonne voie, n'est-ce pas? Alors, Fonike Mangue, c'est là qu'il refuse. Fonike Mangue n'accepte pas, il refuse de signer ce document parce qu'il se bat pour des principes démocratiques. Son combat est légitime, il est contre le troisième mandat, il est contre la mauvaise gouvernance, il est contre la manière comme Alpha Condé dirige le pays, il est contre tout ce qui viole les lois dans le pays. Et bien voilà. Donc, il refuse de signer parce que signer, c'est écouter, refuter tous ces principes-là. N'est-ce pas? Et tout s'est pressé. C'est comme si tout son combat depuis longtemps, en fait, n'avait pas de sens. Voilà, il refuse de signer, cher compatriote guinéen. Et voilà pourquoi il est maintenu dans, en fait, toujours en prison. Et là, nous ne comprenons pas dans ce cas. Voilà, c'est la question. Alors, pourquoi il est malade? Pourquoi nous ne le libérons pas? Il n'est pas libéré lui aussi pour qu'il puisse aller se soigner provisoirement, n'est-ce pas? Voilà, cher compatriote guinéen. Alors, ce que je vais ajouter là, je crois que les partis politiques comprennent cela. Cédric Diallo, à travers ses meetings, ses derniers meetings, je crois qu'il a si bien signalé. C'est-à-dire, écoutez, les manifestations ne seront pas abandonnées. Il faut manifester, exiger la libération de tous les prisonniers politiques. Ça, c'est un. Deux, écoutez, et exiger que, en fait, la loi soit respectée dans le pays. Exiger que la doctrine démocratique soit respectée et non celle, donc, disons, du pouvoir, c'est-à-dire l'ethnocentrisme. Donc, les manifestations exigeant cela. Libérer tous les prisonniers politiques qui sont là-bas gratuitement et n'ont absolument rien fait, sinon, écoutez, s'opposer à, disons, à un troisième mandat. C'est clair. Alors, je crois que Cédric Diallo l'avait bien signalé, et d'ailleurs, j'ai noté cette idée ou ce discours de Cédric Diallo, qui est de qui Alpha Condé est au pouvoir. Alors, pendant 10 ans, tout ce qu'il a fait, en fait, il a plutôt brillé dans la division, disons, de la société guinéenne que dans la réconciliation des Guinéens. Mais c'est vrai, 10 ans, pour diviser les Guinéens, semer la pagaille de la pagaille dans le pays et non réconcilier les Guinéens ou développer le pays. N'est-ce pas, cher Comodo Guinéen? Ça, donc, c'est sur le premier point concernant Fonike Mangue. Très bien. Alors, le deuxième point, alors, il est question de l'ambassadeur des États-Unis qui défie le pouvoir de Alpha Condé. Alors, vous vous rappelez, je crois bien, vous devez vous rappeler à un moment donné, je crois que c'était avant les élections présidentielles, les fameuses élections présidentielles, Alpha Condé avait dit, en menaçant les ambassades étrangères en Guinée, que quiconque, en fait, se mêlerait, disons, de la politique interne du pays, Alpha Condé l'a dit, que le prochain vol serait emprunté par, en fait, l'ambassadeur en question, pour raison de son pays, quitter la Guinée. Il a dit, non, qu'il, quiconque, hein, quiconque, n'est-ce pas, qui se hasarderait, disons, à parler de la politique interne, se mêler de la politique interne, alors voilà, les conséquences, c'est que cet ambassadeur en question sera tout simplement renvoyé, disons, à son pays. Très bien.
Alors, ça, c'est Alpha Condé qui l'avait dit. Mais voilà, je dis bien maintenant, maintenant, cette semaine même, on a l'ambassadeur des États-Unis en Guinée qui défie le pouvoir parce que lui, écoutez, il est parti loin, hein, il critique, il s'émerde de la politique interne de la Guinée. Il a dit très clairement que la Guinée doit respecter les droits de l'homme, notamment la liberté d'expression. La liberté d'expression et la tenue d'audience publique est équitable, donc sans retard excessif pour les personnes qui restent en détention. N'est-ce pas? C'est l'ambassadeur des États-Unis qui le dit. Alors, il s'adresse au pouvoir guinéen. Il faut respecter, en fait, respecter les droits de l'homme, n'est-ce pas, qui sont totalement bafouillés en Guinée. Ensuite, il demande que les audiences, disons au niveau des tribunaux, que cela soit public, n'est-ce pas? Public, que tout le monde, disons public, voire télévisé, radiodiffusé. Alors aussi, au vu de tout le monde, ça c'est un, et donc c'est à l'égard de tous ces prisonniers politiques qui sont actuellement en détention. Voilà, donc ça veut dire quoi? On a un ambassadeur qui défie ce discours de Alpha Condé, Alpha Condé qui dit, bon écoutez, personne ne doit, aucun ambassadeur ou aucune institution étrangère ne doit se mêler de la politique interne de la Guinée. Et l'ambassadeur vient tout de suite de défier Alpha Condé, il vient de le faire. N'est-ce pas? Il se met de la politique interne, il demande à Alpha Condé de respecter les droits de l'homme, il demande à Alpha Condé de tenir des audiences publiques, chers compatriotes guinéens, à l'égard de ses prisonniers en fait, politiques, et aussi que les délais concernant le jugement, qu'il y ait en fait des délais raisonnables, que ce soit raisonnable, parce qu'ils sont détenus longtemps, longtemps en prison, dépassant le délai raisonnable, ce qui est franchement incompréhensible pour un pays qui se dit démocratique. N'est-ce pas? Ça, c'est l'ambassadeur des États-Unis qui parle ainsi de la politique interne de la Guinée. Et moi, je me dis à Alpha Condé, si Alpha Condé doit m'écouter, alors qu'en est-il de son discours, de sa menace? N'est-ce pas? Alors, nous attendons Alpha Condé parce que ce discours de l'ambassadeur de Guinée, je crois, c'est aujourd'hui, hier, n'est-ce pas? Il l'a dit, nous attendons alors l'exécution de la menace d'Alpha Condé, que l'ambassadeur donc prenne le dernier ou le premier vol vers les États-Unis, qu'il quitte totalement la Guinée. N'est-ce pas? Mais c'est clair. Si Alpha Condé est un homme, hein, s'il respecte ses engagements, n'est-ce pas? L'ambassade des États-Unis vient de défier Alpha Condé, vient de parler de la politique interne. Il est même allé plus loin, il demande à Alpha Condé de tenir des audiences publiques, s'il vous plaît. Alors Alpha Condé, qu'attend-il? Alors nous attendons de maintenant à demain que, écoutez, l'ambassadeur prenne le premier vol vers les États-Unis. Voilà, c'était donc sur le deuxième point. Le troisième point, le dernier. Alors, il est question, vous l'avez suivi la semaine dernière, Alpha Condé qui parle du retrait, disons, de la Guinée, des instances qui n'ont pas de stratégie réelle pour la Guinée. Stratégie dite politique ou économique, n'est-ce pas? Alors, toutes les instances ou toutes les institutions étrangères qui n'ont pas, en fait, d'implication, je dirais, nécessaire pour la Guinée, ou des implications qui n'apportent rien à la Guinée, alors que ces institutions doivent, par exemple, en fait, la Guinée doit s'y retirer. Ça signifie tout simplement que ces institutions qui sont en Guinée doivent totalement, en fait, quitter le pays. N'est-ce pas? Ça, Alpha Condé l'a dit. Alors, mais là, nous comprenons aussi pourquoi Alpha Condé l'a dit. Et là, on se dit toujours que c'est la dictature, effectivement, qui prend la forme chez Alpha Condé. Ce n'est pas facile parce qu'il ne pourra pas. Mais c'est cela. Alpha Condé le fit. Il oublie qu'il est au 21e siècle. Il continue à se comporter comme s'il était dans les années 70. Mais c'est grave, chers compatriotes guinéens. C'est très grave parce que là, essayer d'isoler la Guinée. Un pays qui cherche aujourd'hui à se retirer des institutions internationales, même la Russie que nous connaissons, la Russie avec Poutine qui tente de défier tout, même les États-Unis. Mais écoutez, la Russie a des problèmes hein, de se débarrasser des institutions internationales en Russie même. Parce que vouloir le faire, également, il y a des sanctions. Vouloir le faire, c'est, écoutez, c'est quand même essayer de léser certaines institutions ou certaines sociétés, également en Russie, qui sont des sociétés russes qui auraient des problèmes également. N'est-ce pas? Effectivement. Pour pouvoir faire écouler leurs marchandises. Très clairement, chers compatriotes guinéens. Très bien. Alors, Alpha Condé, finalement, veut se retirer de certaines instances internationales. Mais là, nous comprenons très bien pourquoi cela. Parce que tout simplement, Alpha Condé, écoutez, s'adresse ainsi aux institutions qui, en fait, lui demandent de respecter les droits de l'homme comme l'ambassadeur des États-Unis vient de le faire.
n'est-ce pas, qui exige que les valeurs démocratiques soient respectées, qui exige que les lois soient respectées, qui exige que les valeurs humaines soient respectées. Parce que ce qu'Alpha Condé fait maintenant, la façon comment il arrête les gens, les citoyens, comment ils sont emprisonnés, comment ils sont libérés, mais écoutez, nous ne sommes pas dans la jungle, n'est-ce pas? C'est comme si on était dans la jungle, avec des animaux, cher Comptabilien. Alors, là aussi, on demande à Alpha Condé, effectivement, c'est clair. Alors, s'il dit les institutions qui n'ont pas de stratégie réelle pour la Guinée doivent quitter la Guinée, ou la Guinée doit tout simplement se débarrasser des institutions, mais écoutez, c'est très simple, c'est-à-dire, je crois qu'Alpha Condé, en ce moment, on se débarrasserait, disons, des pays occidentaux, mais c'est clair, ou des institutions venant de ces pays occidentaux. N'est-ce pas? Il est question, par exemple, de l'ONU, il est question de l'Union européenne, n'est-ce pas? Et pourquoi pas même pas les banques internationales, n'est-ce pas? Je parlerai de la Banque mondiale, Fonds monétaire international, de la BAD et tout ça, qui pourrait se retirer parce que toutes ces institutions-là, parfois, leur aide, quand ces institutions doivent aider, c'est accompagné de certaines conditions. Les conditions, par exemple, du respect des droits de l'homme, le respect des lois, et là, c'est également se mêler des affaires internes du pays. Et dans ce cas, si Alpha Condé doit exécuter cette menace aussi, écoutez, finalement, la Guinée se débarrasserait également des pays occidentaux, des institutions internationales. N'est-ce pas, celle comme Togliens? Voilà, donc c'était cela, trois éléments. Je crois que vous me comprenez. L'essentiel ici, il y a Fonike Mangue qui est malade. Il est en prison, il est malade, cher comme Togliens. Évacué à l'hôpital, c'est la troisième fois, bien sûr, qu'il en fait passe par la même situation. Alors, on se dit, mais alors pourquoi il n'est pas libéré? N'est-ce pas? Pourquoi il n'est pas libéré? Pourquoi on ne libère pas provisoirement pour qu'il puisse aller chez lui et se soigner? N'est-ce pas? Ousmane Gawal Diallo et tant d'autres ont été libérés pour aller à la maison se soigner provisoirement. Alors on se demande pour quelle raison Fonike Mangue est retenu là. Et surtout, ce qui est encore difficile à comprendre, si nous prenons le cas des quatre détenus libérés dernièrement, Ousmane Gawal Diallo, Aboulaye Ba, Selou Balde, Chérif Ba, leurs charges, les charges retenues contre eux, c'est encore plus grave. Multiplié par 5 par rapport à la charge en fait infligée maintenant à Fonike Mangue. Fonike Mangue, disons, on l'accuse de tentative de déstabiliser en fait ou de rébeller les jeunes contre le pouvoir, n'est-ce pas, les citoyens contre le pouvoir, de désobéissance, d'appel à l'obéissance civile. Et ça, c'est la charge retenue contre Fonike Mangue, d'ailleurs, pour laquelle il est emprisonné. Il a été emprisonné pour 3 ans. N'est-ce pas? Ferme. Alors, mais si nous voyons les charges retenues contre les 4 détenus libérés hier, de l'autre fois, de l'UFDG, les charges sont graves, je l'ai dit l'autre fois. On dit tentative d'assassiner le président. Tentative d'assassiner Alpha Condé. N'est-ce pas? Alors, moi, je me demande, les charges sont si graves, tentative d'assassiner, et Alpha Condé a ajouté qu'il a des preuves claires, qu'il a des preuves, que le pouvoir a des preuves. N'est-ce pas que ces individus-là, à partir de l'extérieur, préparent un coup, un complot pour assassiner le président, déstabiliser la Guinée? Alors, écoutez, que la logique se respecte quand même. N'est-ce pas? Alors, si on arrive à libérer provisoirement ces individus avec des charges très lourdes et graves, et laisser l'autre, également Fonike Mangue, des charges moins lourdes, s'il vous plaît, c'est incompréhensible. Mais là, nous pouvons comprendre aussi que voilà, le pouvoir tend vers la fin. C'est fini, c'est la fin. Alpha Condé, c'est fini. Il y a, en fait, ce qui se retrouve plus, ce pouvoir-là. Mais ça, c'est clair et net. On a vu comment les gens sont arrêtés et comment les gens sont libérés, etc. etc. Voilà, chers compagnons. Pour terminer, c'est cela. Alpha Condé, nous exigeons cela. Les partis politiques, le FNDC, n'est-ce pas, tous les citoyens actuellement guinéens qui veulent également la démocratie, qui veulent également l'enrichissement en Guinée d'une structure solide, structure politique solide. Écoutez, nous tous, nous demandons, tout ce que nous demandons, nous le savons très bien, pour que la Guinée puisse aller très bien, il faut le départ d'Alpha Condé. Alpha Condé doit aller, et je dis bien aller, parce que toutes les options sont sur la table, comme le disait Thibaut Camara, toutes les options. Là, il ne faut pas l'oublier. Alpha Condé doit partir, c'est là, c'est la solution. Il doit partir. Quand il va aller, tout ira bien. Écoutez, ce n'est pas par magie, mais écoutez, je dis bien, tout ira bien parce que nous essaierons, ça c'est la première des choses à faire, respecter la loi que nous-mêmes, nous avons créée, n'est-ce pas, que nous avons établie. Si nous respectons la loi, écoutez, c'est la première étape pour réussir également le développement en fait, du pays, cher compatriote. Voilà, c'était Nabil Kamara de Public Sénat. Merci pour l'écoute. Bonne soirée.